comme d'habitude, on va commencer avec la décoration. Donc là, je suis dans les couettes parure de lit et tout. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des nouvelles choses. Elle est jolie d'ailleurs. Ils ont déjà sorti les guirlandes de Noël. Donc c'est drôlement spécial. Il y a quelques petits trucs de Noël. Par contre, c'est marrant, je vois des trucs de Noël, mais je vois aucun truc Halloween. Alors que bon, Halloween c'est quand même avant Noël, donc je sais pas. Trop mignon ce petit coussin pour voyager en forme de Mickey. Alors, ces coussins, mais juste magnifiques quoi. Ils sont trop beaux. J'aime trop. Sorti les queues de sirène, vous savez. C'est comme une couverture, mais ça fait une queue de sirène en fait. Donc voilà. Elle est en verte aussi. Avec les écailles argentées. Super jolie. Et il y a ce petit plaid. Franchement, il est magnifique. Avec des sequins. Ils ont aussi sorti des plaids en fourrure. Donc il y a cette couleur et il y a blanc. Et il y a aussi comme ça. Un peu matelassé comme ça avec des cœurs. Il y a même des guirlandes rose gold. Donc si vous voulez vous faire un sapin rose gold, vous savez où venir quoi. Des petites lumières en forme de pompon. Trop chou. Magnifique cette bougie. Et l'odeur, elle sent super bon aussi. Franchement, je suis déçue parce que pour Halloween, ils ont vraiment sorti que dalle. Il y a juste ça. Genre deux étagères. Par contre, les trucs de Noël, il y en a plein. Je vais vous montrer après. Mais pour Halloween, voilà ce qu'ils ont sorti. Des serviettes, une petite bougie à la citrouille. Vous avez des petits verres comme ça. En forme de tête de mort. Et puis cette bougie. Donc pas terrible, hein. Franchement. Vraiment pas terrible. Alors par contre, pour Noël, ils ont déjà sorti plein de trucs. Vous avez des plaids, bougies. Elles sont bonnes celles-là, elles sont super bonnes. Des mini boules. Ça c'est une boule pour le sapin qui est énorme et qui a la forme de Mickey en fait. Il y a celle-ci aussi, super mignonne. Mickey, mini, enfin trop chou. Il est juste trop beau ce plaid. Gris avec des espèces de reflets argentés. Trop beau. Il irait bien dans mon salon. J'aime bien aussi cette petite boîte là avec les étoiles. Grise. Un petit calendrier. En forme de licorne. Pareil, si vous voulez vous faire un beau sapin, je pense que vous trouverez pas mieux. 50 boules pour le sapin à 6 pentes. Tasse Winnie avec écrit Honey. Trop chou. Tasse Bambi Vintage. Bon ça y est, ils ont officiellement sorti les vêtements d'hiver. Et j'aime bien cette petite veste sans manches. Un peu en moumoute comme ça. Non mais est-ce qu'on en parle des bottines? Bottines en moumoute. Ils ont toujours la veste celle-ci là.
magnifique ce petit pull. Avec les perles comme ça, il est juste trop trop beau. Et il y a en gris aussi. Petite robe chemise. Il y a plein de pantalons carottes de toutes les couleurs. Cette veste de blazer, elle est trop trop belle, j'adore la couleur. Les petits zips de cette couleur comme ça. Plein de chemises à carreaux aussi, donc si vous cherchez des chemises à carreaux de pas trop chères et de plein de couleurs, il y a du choix. Il y a comme ça, il y a la verte, rouge, blanc. Celui-là il est mignon, le petit noir là. Celui-là aussi j'aime bien. Et il y a une nouvelle collection Glamour. Vous vous souvenez, le mois dernier, il y avait déjà une collection Glamour qui était trop canon. Et là, il y a plein de nouvelles pièces qui ont l'air trop canon aussi, quoi. Donc je vais vous montrer. Donc, déjà, il y a cette robe. Hein, en espèce de suédine. Hein. Cette veste, j'adore. Je l'ai déjà filmée avant, je crois. Trop belle. Il y a ce petit sac. J'adore aussi. Avec les manches. Petite robe chemise. Ce pull, il est vraiment canon. Non mais allô, le sac. Est-ce qu'on en parle du sac en velours comme ça? Pull super mignon avec les lacets sur le côté. Il est en vert aussi. Si vous avez besoin de faire votre shopping pull, hein. Venez chez Primark. Plein de couleurs, de styles différents pour vraiment pas cher. Ce cadeau, il est trop mignon. J'adore.
ils ont sorti des wet brush. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, les wet brush c'est trop une tuerie parce que ça te démêle les cheveux sans t'arracher les cheveux. Moi ça m'a changé la life. Bon, moi j'ai une wet brush l'original, la marque wet brush, mais franchement ça m'a l'air d'être exactement la même chose en fait au niveau des picots et tout. Et celle-ci c'est pour la douche. En fait une wet brush ça vous abîme pas les cheveux, ça vous arrache pas les cheveux, vous pouvez brosser les cheveux mouillés. Donc il y a une mini, il y a celle-ci et il y a celle-ci. Ils ont des nouveaux pinceaux. Pour nettoyer les pinceaux. Ils ont aussi des nouveaux fossiles. Hein. Par contre, ils les vendent 5 pounds. Donc bon, par rapport à ceux de 1 pound. Mais j'ai l'impression que c'est une collection avec quelqu'un, Susan Jackson, que je connais pas. Mais ils ont l'air jolis, hein. Franchement, ceux-là, ils ont l'air canons. Franchement, il y en a vraiment des canons. Hein. Plein de faux ongles. Ils ont toutes les couleurs. Hein. Tous les styles, des courts, des longs. Ah, j'ai jamais vu ça, c'est un auto-bronzant en spray. Donc si je comprends bien, tu t'asperges le visage de ça et ça te bronze quoi. Ça pourrait être pas mal de faire une vidéo dessus. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez que je le teste, que je vous fasse une vidéo dessus. Regardez les correcteurs. Il y a toutes les couleurs. Alors, nouveau truc aussi, ils ont sorti des fards à paupières mono. Donc, tu fais ta propre palette. C'est des fards, vous savez, magnétiques. Donc, vous pouvez les mettre si vous avez des e-palettes et tout, vous pouvez les mettre dedans. Mais ils vendent aussi les palettes vides. Et ensuite, vous mettez vos couleurs dedans. Franchement, c'est génial. Et en plus de ça, est-ce qu'on en parle que c'est 60 centimes le fard à paupières? Non mais allô. Franchement là je suis bluffée. Je pense que je vais me faire une palette et puis je vous ferai une vidéo. Regardez ce qu'ils ont sorti aussi. Alors en fait c'est des face charts. Donc tu reproduis le maquillage qu'il y a sur la photo là. Et ensuite tu colles les petits diams. Et ça te fait un make-up voilà, pour Halloween ou si vous avez un déguisement, etc. Super sympa. I chase, I chase, I chase, I chase.